peu importe l'âge, peu importe le moment, les quelques secondes juste avant le match, c'est déjà du foot, mais sous une autre forme. C'est le football qui s'imagine, le football qui se pense, le football qu'on attend. Et c'est pour ces moments que ce sport est grand et qu'on l'aime. Alors installez-vous et préparez-vous à rêver. Merci d'assister à cette rencontre. Qui va prendre le dessus dans ce duel? C'est la grande question du jour. Car voici les deux équipes qui font leur entrée sur le terrain. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1, Le Havre contre Montpellier. La passion du jeu s'impose toujours. Pendant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. Un œil sur le 11 titulaire. Voici la composition de Montpellier. Ah, le contact sans faute. Wabi Kazri. Téji Savani à nouveau. Oh, il s'est bien servi. Et voilà! Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier but! Quelques minutes de jeu, c'est bon et c'est bon! Ce n'est pas vraiment un duel, c'est une gifle qui finit au fond des filets. C'est pas une jambe, c'est une catapulte! Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Touré. Et c'est donc une position de hors-jeu signalée. Eh non, c'est rendu ça. Il y a du soutien en attaque. Elle la frappe peut-être pour égaliser. Et le tir, attention! C'est capté sans difficulté par le compte. Ah, le ballon est contré. Ballon vers la surface. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Jordan Ferry. Et c'est en direction de Savanier. Téji Savanier. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe.
Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Oh, il y a une bonne occasion là. Une nouvelle occasion ici. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Ferraillou. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ça joue sur Casri. La défense peine à redescendre sur ce contre. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Vers l'intérieur. Un centre en retrait dans la surface. Ballon bien renvoyé. Bonne progression dans le camp adverse. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Ah, le ballon qui va changer de propriétaire. Wahbi Khazri avec la balle. C'est contré, in extremis. Très bonne intervention dans la surface. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Chantard. Crochet intérieur, il va aller provoquer dans l'axe. Et le gardien s'en saisit sans trop de problème. La mi-temps approche à grands pas et pour l'équipe locale, ce sera peut-être l'occasion de faire quelques ajustements. Vous pouvez être sûr que le staff a tout étudié, tout comptabilisé. Attention, pendant qu'on parle, ça joue. Et le gardien qui écarte bien le danger. Le ballon en touche. Nordin. Là. Réception de Nordin. Ferry. Récupération du ballon. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Et peut-être un mouvement offensif pour Montpellier. Wahbi Khazri avec la balle. Et le ballon part bien. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer. Ça sera déjà un bon début. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. TJ Savanier. Ça joue sur Casri. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et on aime beaucoup sa performance pour l'instant. C'est vraiment très intéressant. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période.
Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Et le changement va donc avoir lieu. Il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc. Attention, le gardien relâche dans la zone dangereuse. Oh, c'est dedans, le ballon relâché et derrière ça ne pardonne pas. Goal ! Être opportuniste dans le football, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est par exemple anticiper ce tir côté opposé et être bien placé pour la remettre si jamais le ballon est relâché. Le plus difficile, ce n'est pas le tir, mais c'est d'avoir l'opportunité de tirer. Ah, le score de parité est donc un partout. Falaï Sakho. Et c'est en direction de Savanier. Montpellier qui peut se projeter dans le camp adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. Cazeri. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ah, est-ce que ça va partir en contre là ? Payot pour la réception du ballon. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Ouh, comme c'était dangereux ça. Le contre est très bien amené, mais la conclusion, c'est un gros manque de lucidité. Falaï Sakho. Excellente intervention, ça sort en touche. Joris Chotard. Ouais, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Cazeri. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Verraillou. Avec un peu d'espace sur son aile. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. TJ Savanier. Ah, c'est avec Jordan Ferry. Ouais, bonne intervention là. Mohamed Bayo. Ah, la perte de balle. Vraie faute, et l'arbitre là qui indique un coup franc. Et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton, juste une petite remontrance. Attention, car ce sera sans doute la dernière fois. Et changement donc, et des deux côtés. Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Wabi Kazri. Ah, c'est avec Jordan Ferry. Et Montpellier peut amorcer une attaque.
Alors l'arbitre siffle la faute et attention quand même au carton. Faute et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Le montant, ça revient. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Déji Savanier. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Sortie en touche. Et la récupération du ballon. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et bien joué dans la profondeur. Ouh, la faute en position de dernier défenseur. Ça pourrait valoir un rouge. Et oui, cette faute du dernier défenseur vient anéantir une occasion nette, c'est le règlement. Et la sanction, c'est un rouge parfaitement mérité. Et pourquoi pas, de loin. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. Quelle parade, une intervention décisive. À lui tout seul, il sauve peut-être le nul en fin de match. Il va essayer d'aller provoquer dans l'axe. Ouh, la frappe. Oh, le ballon là qui est repoussé. De nouveau, un corner à jouer. Vers l'intérieur. Voilà, très belle ouverture. Oh, bonne frappe! Et le gardien s'illustre bien. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Téji Savanier. Et très bonne intervention du gardien. Cette attaque peut être décisive. Un but maintenant et c'est fini. Attention pour mener au score peut-être. Et but! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive. À l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir.
Voilà un ballon bien gratté là. Et les Montpelliérains peuvent avancer sur l'aile. Il faut centrer là-dessus. Oui, bien défendu. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et c'est donc un carton jaune. Ça semble parfaitement juste. Cinq minutes minimum en plus. Jordan Ferry. Ballon pour TJ Savanier. Et le bon centre là peut-être. Et le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Oui, le bon geste défensif. C'est la fin du match et les supporters sont vraiment pas contents.